Le règne touche à sa fin pour Amandine Petit. Le 11 décembre prochain, sur la scène du Zénith de Caen, Miss France 2021 passera le flambeau à une jeune femme qui, comme elle, embrassera durant un an les fonctions de Miss France, représentant la beauté à la française à travers le pays, mais aussi le monde. Une couronne que la Miss Normandie 2020 a aimé porter, elle qui fait désormais le bilan de son année écoulée avec un tel titre sur les épaules. Une année durant laquelle elle a notamment lié une forte relation avec Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, qui a été à ses côtés durant tout son règne. Avec Sylvie on s'entend très bien, a commencé Amandine Petit au micro de Jordan Deluxe pour Téléstar, avant de s'épancher davantage sur ce lien indéfectible. Vous savez, Sylvie si est-il la première personne avec qui on a un contact quand on nous pose la couronne sur la tête, si est-il la première personne qui a essuyé mes larmes lorsque j'ai été élue Miss France, si est-il cette même première personne qui m'a donné tous les meilleurs des conseils, et si est-il elle qui nous fédère, l'ensemble de la famille Miss France, a-t-elle ainsi décrit, expliquant que Miss France 2002 est là pour encadrer les candidates, mais aussi et surtout pour les conseillers, toujours avec beaucoup de bienveillance. Amandine Petit aurait été ravie de rencontrer Geneviève de Fontenay, un rôle un peu de grande sœur des Miss France, que Sylvie Tellier prend plaisir à avoir depuis 2007, s'attirant toutefois au passage les foudres de Geneviève de Fontenay, qui lui reproche de l'avoir évincée du concours de beauté et d'avoir pris notamment ses fonctions. Une querelle sur laquelle Amandine Petit n'a pas tellement Davis, préférant se concentrer sur ce que celle-ci a laissé comme marque dans le concours. La seule chose que je retiendrai de Geneviève de Fontenay, si est-il que, lorsque j'ai été élue Miss France, elle avait fait un très beau message à mon propos en disant qu'elle était très contente de la Miss France qui avait été élue, a ainsi confié à Amandine Petit, qui aurait été par ailleurs ravie de la rencontrer. Retrouvez toutes les interviews de Jordan Deluxe sur Téléstar Playload Invidjet.